Bonjour et bienvenue à Saint-Georges-sur-Loire, ici arrivée de la cinquième étape de la Transgaule 2014 dans le Maine-et-Loire. Donc. Étape de 71 km avec 500 mètres de dénivelé positif, assez concentré sur les 35 derniers kilomètres on dira. Étape ensoleillée pour notre grand plaisir à tous. Car ça veut dire qu'à l'arrivée, on pourra faire sécher notre linge dehors. Et voilà, ça met du baume au cœur. Et puis, il faut savoir que demain et après-demain, nous avons deux étapes à moins de 60 km. Donc, je ne sais pas, ça doit être psychologique, mais le fait d'avoir moins de 60 km à faire, on a l'impression qu'on est parti pour une séance d'entraînement. Donc ça nous rebooste un peu quoi, on va pouvoir passer plus de temps en récupération, à s'occuper de nous, à récupérer surtout, à récupérer. Aujourd'hui on peut noter, à mon grand regret, le départ de Jean-Jacques Moros qui a arrêté la course, qui n'a pas pris le départ de l'étape ce matin. Jean-Jacques Moros, c'était sûrement le futur vainqueur de cette édition. Et voilà. Et celui de Marie-Jeanne Simon aussi, qui a arrêté en cours d'étape. Voilà. Ça fait toujours quelque chose de voir partir des collègues de voyage. Et voilà. Donc je vous dis. Ah oui, au fait, pardon. J'oublie toujours de parler du classement. Alors le classement, aujourd'hui départ comme à l'accoutumée, relativement tranquille. Devant c'est parti à balle comme des fous, et notamment les Taïwanais comme d'hab. Aujourd'hui j'ai remonté tout doucement et comme d'habitude, comme les jours précédents, j'ai remonté prudemment petit à petit, et je suis arrivé à 200 mètres du dernier coureur avant la ligne d'arrivée. Je me voyais mal sprinter pour le passer ou finir avec lui, bien sûr. Mais donc je l'ai laissé gagner, il était super content. Et voilà, je finis donc second à 20 secondes, je crois, du premier. Et le troisième, Hervé Rozek, qui fait une belle remontée, un gars du coin. Et ensuite Taïwanais, et puis Carmen, première féminine, qui est telle métronome, impressionnante. Voilà, et je vous remercie de nous suivre, n'hésitez pas à encourager tous les coureurs, et je vous dis à demain, au revoir.